Nous sommes dans un monde qui va de plus en plus vite, où la surproductivité signifie succès. L'art devient consommable. Les films, des programmes conçus dans le simple but de remplir un catalogue. Un produit lancé, il est déjà dépassé, c'est le suivant qu'on veut. Désormais, nous refusons de profiter. Non, il faut produire sans se retourner. Aujourd'hui, ce sont des résultats records, du coup demain, ça deviendra le minimum. On veut nous faire croire que réussir sa vie, c'est multiplier le projet toujours plus vite, que de ne pas être à la page, c'est être obsolète. Ce qui est marrant, c'est qu'être débordé aujourd'hui, c'est devenu stylé. Génération burn-out. Nous sommes piégés dans un univers qui confond progrès et accélération. Tout ce qui importe, c'est d'en faire toujours plus, être présent partout, tout le temps. La fragilité, la patience n'ont pas leur place. Et quand bien même nous sommes gaillards, nous restons insatisfaits. Pourquoi vouloir plus, toujours plus ? Si cette pensée étrique le monde du travail, elle n'est pas obligée de contaminer le reste. On fait bien ce qu'on veut. Dans cette course contre le temps, et si celui-ci n'était plus notre adversaire, mais au contraire notre allié ? Renouer avec l'essence de nos réelles passions. Profiter, juste profiter.